m'appelle Stéphane Breton, je suis hypnothérapeute, je travaille dans la perspective de théorique et clinique de François Roustan. Je m'intéresse au rapport entre langage, silence, corps et la phénoménologie psychiatrique. Indirectement, on parle dans le cadre d'une recherche que j'étais en train de me conduire pour un éditeur sur la psychothérapie. J'ai rencontré Roustan comme ça, et puis ça a été donc pour une démarche un peu de compréhension du processus théorique et clinique qu'il portait, de son expérience, de qui il était, etc. Et puis donc j'ai engagé un certain nombre d'entretiens. Le livre n'a pas abouti, en revanche la rencontre a été fondamentale pour moi. Voilà. Ça, comme on dit désormais, j'ai bifurqué intellectuellement, aussi en partie professionnellement. Et l'approche hypnotique a été une approche maîtresse dans ma réflexion sur les psychothérapies à la suite de ça. Et ouais, donc quand tu l'as lu, ça t'a... Quand je l'ai lu, ça m'a tout de suite parlé. En fait, ça me correspondait. L'approche par le corps, pour le corps, au travers du corps, d'une certaine façon, avec une intention qui était à la fois dévoilée quand on pouvait la comprendre, mais qui en fait était voilée quand on la vivait. Et qui devient dévoilé quand on l'a traversé en fait. Voilà. Et l'hypnose pour moi c'est l'assise dans le corps, du corps, et la remodélisation du corps à travers ses émotions, à travers l'aspect cognitif des choses, à travers la perception du monde. Ça renouvelle tout ce qui était cristallisé, qui était fixé, qui était mal ou peu intégré. Et au fond ça fait cette reconfiguration créative. Et à la suite de ça par exemple, à titre personnel, moi, ça m'a permis d'écrire de la poésie. Un petit ouvrage de poésie que j'ai dédié à mon père qui était décédé. Et d'une certaine façon, je dis souvent que c'est grâce à mon père que l'hypnose est arrivée et qu'une forme créative et poétique est arrivée. C'était la seule expérience que j'ai faite d'un acte d'écriture gratuit, complètement sorti de je ne sais où. Certains diront par exemple du hara, si on devait transposer dans le monde japonais, mais en tout cas pour moi, c'était du monde de l'inconscient, pourrait-on dire. Et voilà, et ça fait émerger une créativité. Et depuis, cette créativité-là, je crois qu'elle irrigue une partie de ma vie dans l'écriture d'articles, de bouquins et choses comme ça. Parce que tu fais beaucoup. Voilà. J'ai tiré au hasard la page K. C'est un abécédaire. Kairos. Là, juste et pas autrement. Ici, pour être ce qu'il convient d'être. Maintenant, parce qu'il est le seul moment, le kairos s'impose, il est de ceux qui ne confèrent rien, sinon la force de l'instant. Il est dit qu'il est lui, seul et sans condition. Le kairos se pose à la rencontre du destin. Le kairos souffle, incertain. Je travaille à réfléchir tant soit peu sur ce qu'est l'hypnose, comment ça s'opère dans la vie des patients qui vont mal, comment on peut articuler la réflexion là-dessus, et avec des emprunts que je fais à la philosophie, que je fais à l'anthropologie, que je fais aux neurosciences et aux traditions orientales, chinoises, à la suite du travail de Roustan, mais pas que, japonaise. Et je m'intéresse aussi à l'aspect anthropologique de la transe dans les cultures africaines et amérindiennes. Moi, on s'est rencontrés au Katsuge Mundo, tu peux faire le lien ? Alors, je ne parlerai pas de lien, je parlerai plutôt de résonance et de correspondance. Le lien, c'est parce que pour moi, dans le lien, il y a une notion de causalité directe. Je parlerai plutôt de corrélation, c'est-à-dire que pour moi, c'est une même famille, c'est-à-dire placer le corps dans une forme de ressourcement, de revitalisation et de plongeon dans l'informe ou l'inné et de réactiver dans la vie phénoménale de tous les jours les potentialités de chacun. Et donc en ça se rapporte de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on utilise les ressources utiles des gens, enfin c'est eux-mêmes qui les utilisent en réalité, on les met juste à disposition, on les met en présence de ça et ils s'en emparent à leur façon, à leur manière. Et bien dans le Katsuge Mundo, il y a ça aussi, cette capacité à partir de rien, d'un lieu qu'on ne connaît pas forcément, de faire émerger des choses qui sont en nous, qui sont là de manière latente et qui vont s'exprimer, on ne sait pas comment, et qui vont modifier notre modalité au monde. Voilà, notre être va être différent après.
Et chaque séance, ça va être différent. Comme au fond, en hypnose, à chaque séance, c'est toujours différent. On repart de zéro, en fait. D'où à la fois la difficulté, quand on est thérapeute, de pouvoir le faire. C'est une position de non-attention, de non-agir, de non-vouloir. Même si on s'engage à quelque chose qui est formalisé d'une certaine façon, et bien c'est en utilisant ça et pour faire émerger du non-agir, du non-faire, quelque chose qui est un peu paradoxal, une forme de koan japonais en fait, c'est-à-dire une forme d'impasse intellectuelle, mais on se positionne pas sur l'aspect cognitif, mais sur l'aspect corporel en fait, voilà, à la fois émotionnel, physique et spirituel. Et la page de gauche délivre le mot joie, le J. Remonter vers la surface. Crépitement, tapotement, frémissement. Silence, je viens. Tu ne sais pas ce que je suis. Je te surprends. Accueille-moi. Assise en équilibre. Je te prends en main. Mais attention, ne cherche pas à m'apprivoiser. Je m'évapore. Je m'égare en toi. J'embrasse l'espace. J'ouvre la voie. Ne me recherche pas, je fuis, ici ou là, je suis chez moi. Enfin, que Rousseau a théorisé ainsi, en faisant un emprunt à un philosophe, je crois belge d'ailleurs. Alors, pour te répondre, je citerais un cas qui... qui est celui d'une jeune femme. Je vous en prie. Qui est le cas d'une jeune femme d'une trentaine d'années. C'est bon pour toi ? Le cas d'une jeune femme de trentaine d'années qui arrive à la consultation, est assez angoissée, un peu désemparée, et cherche depuis 3 ans à avoir un enfant. Là, il s'avère qu'on fait une première séance avec, je fais une première séance avec elle. Elle se dépose dans le siège. Au fond, elle tente de s'installer dans son corps avec difficulté. Et finalement, on va dire que 20 minutes avant la fin de la séance, elle s'y installe. Elle ressort, on va dire, émotionnellement perturbée, en pleurs. Je pose quelques questions sur savoir comment elle se sent là maintenant après la séance. Et elle me dit désaxé, déséquilibré, il y a quelque chose une tristesse qui a émergé. On se revoit plusieurs fois, et petit à petit, il s'avère que son processus qui consiste à vouloir un enfant avec un homme, avec qui elle était depuis un certain nombre d'années, était le problème en fait, c'était la relation qui était le problème. C'est-à-dire qu'en fait, elle pensait, elle avait idéalisé la relation, elle avait rendu performative sa relation pour optimiser la naissance d'un enfant. Le silence, mystérieusement, permet de passer d'un système sensoriel discontinu, je vois cela, j'entends cela, je goûte cela, à un autre mode de perception où tous les éléments de la situation sont mis en relation, en correspondance. On passe ainsi d'une perception restreinte qui régule l'état ordinaire de nos existences à une perception où notre rapport au monde se déforme, où les contraires deviennent possibles, de manière simultanée. Un lieu de l'habilité ouvert, où les positions sensorielles jusque-là agencées épousent des repères sans fondement connu. Un lieu où nous sommes à l'écart de nos géométries sensitives, par un mouvement de fermeture-ouverture, d'un antre ouvert, véritable processus de non-fixation, son aboutissement connu, préfiguré ou sous-tendu. Les potentialités sensorielles en présence s'actualisent de manière atopique, sans préhension possible sur le processus en cours, sans qualité identifiable, juste par l'évidence d'un jeu fonctionnel au profit de l'être vivant.
Ce basculement sensoriel fait écho à ce que François Roustan désigne comme étant la perceptude. Cette perception antécognitive est maintenant connue des neurobiologistes. Elle l'est des psychologues de la petite enfance, comme elle l'était des anthropologues comme Lévi-Bruhl. Les nourrissons, comme le primitif, savent qu'ils sont aussi des animaux ou des arbres ou des rochers. Cette perception immédiate ne fournit aucun sens, aucune signification. Elle ignore la distinction de l'espace et du temps. Elle est ce qu'elle est. Elle permet de circuler d'un élément de la réalité à une autre, sans avoir à justifier des liaisons. C'est quelque chose comme cela que nous expérimentons dans le rêve, le degré zéro de l'existence. C'est cité de « Au commencement était l'hypnose, conférence et débat, septembre 2005 ». Ainsi, le silence nous invite à une immersion sensorielle intégrative, atemporale et vivante. Avec le silence, nous basculons dans un insert, c'est-à-dire une porte dérobée, une fenêtre cachée que nos perceptions habituelles ne distinguent pas, un espace non limité, segmenté, figé, où une expérience du tout est à l'œuvre, un tout compris, comme une intégration de nos perceptions, sans prévalence aucune pour l'une ou l'autre d'entre elles. Cela relève de notre capacité à réceptionner ce qui vient, c'est-à-dire à accepter sensoriellement le présent intense de nos perceptions, sans jugement, hiérarchie, commentaire et contingence. Ça continue. Ça continue.